Bonjour à tous. Bonjour à vous. Eh bien, avec Brigitte, on est super heureux de vous retrouver. Pendant un mois, on a arrêté et puis on a réfléchi. On s'est dit, on va plutôt travailler sur de nouveaux tours. Et comme ça, on revient en forme et pour vous satisfaire. Brigitte, comment tu vas? Très bien. Ok, t'es prête? Je suis prête, comme toujours. Alors là, on va partir sur un tour de cartes, un classique de la magie, parce que ce tour, en fait, il a été effectué sur la base de deux effets, de deux grands magiciens. D'ailleurs, en description, je mettrai le nom du tour et vous pourrez aller voir. Voilà. Alors, pour réaliser l'effet, en fait, ça s'effectue avec simplement quatre cartes. Et pas n'importe lesquelles, parce que j'ai pris des dames, dame rouge et dame noire. Alors vraiment, honnêtement, quatre cartes. D'accord. Brigitte, j'ai une question à te poser. Oui. Sais-tu combien il existe de façons pour retourner les cartes? Non, je vois pas trop. Tu sais pas? T'as pas une petite idée? Non, pas du tout. Il y en a une, c'est celle que tout le monde connaît, c'est le retournement simple. Alors, il y en a d'autres qui s'amusent à faire des retournements un peu académiques, comme ça. Oui. Sympa. Et il y a aussi la méthode des magiciens. Ah, ils en ont plusieurs. Il y en a une que j'aime bien particulièrement, c'est celle-ci. Regarde. Simplement en faisant ce petit geste. Et tu vas pas me croire. J'ai retourné une carte. Ah. Vous me croyez ou pas? Regarde. Je vais aller lentement. Et oui. La dame de carreau vient de se retourner. On recommence? C'est parti. Ça y est. Une deuxième carte vient de se retourner. Et je vais lentement, à chaque fois je vais lentement parce que les gens ont du mal à me croire. La dame de cœur. C'est fort. C'est sympa. Oui. Il y a une autre méthode. Alors celle-ci, elle est un peu acrobatique. Oui. Regarde, c'est ce mouvement-là. J'avoue. C'est rapide. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, si on regarde de nouveau, on a une carte qui vient de se retourner. Cette fois-ci, une dame noire. Bien évidemment, si on ne fait aucun mouvement... Et c'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, en fait. C'est logique. D'accord? Regarde, je refais ce petit mouvement. Ça y est, c'est fait. C'est rapide et net. J'avoue. Regarde. Doucement, je vais doucement, faut que vous puissiez bien voir. La dame de pique vient de se retourner. Ça t'a plu? Ah ouais, c'est génial. Alors, tu vois que les retournements, en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais en magie, on les utilise aussi. Bien, ce que je te propose, oui. À toi, c'est une petite expérience. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai fait tout. Oui. Mais c'est toi qui vas faire. Alors imagine que je te donne les quatre dames. Oui. Tu prends les quatre dames, tu as les dames noires et les dames rouges. Ouais. Allez, donne-moi deux dames de la même couleur. Allez, donne-moi. Cœur. Rouge ou noir? Tu donnes les dames rouges ou tu donnes les dames noires? Je donne les dames rouges. T'es sûr, tu veux pas changer? Non. C'est son choix. Non. Tu me donnes les dames rouges. Ok, donne-moi une troisième. Une des deux cartes noires qui te reste. C'est laquelle? La dame de pique. La dame de pique, très oui, bien. Oui. Je les pose. Chut, disparu. Il te reste quoi en main, du coup? Eh bien, la dame de trèfle. Oui. La dame noire. Oui, je cherchais. Elle est partie en vacances, Brigitte. Hein. Très bien. Alors, ce que je voudrais, c'est avec la dame de trèfle, c'est ça, noire, que invisiblement, tu la retournes face en l'air. Ok, tu l'injectes comme ça, invisiblement. Ouais, parfait. Moi, je suis forte. Là, je pense que la magie est passée. On vérifie? On vérifie. Regarde, du bout des doigts. La dame de trèfle. Et retourner. C'est trop fort. Et voilà. Eh bien, j'espère que le tour de magie que je viens vous présenter vous a plu. Ça t'a plu? Ah oui, carrément. C'est pas mal. Tu crois qu'on pourra le faire en public? Oh, je pense que ça. Les gens aimeraient, je pense. Bon. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait parce que dans les prochains numéros qui vont suivre, il y aura des effets de ce type, mais aussi de l'illusion, de la petite illusion de près. Je suis en train de préparer un super effet qui va arriver dans 2 ou 3 semaines. Alors, restez bien avec moi.
Tu as quelque chose à dire, Brigitte? Oui, je voudrais souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui sont encore en vacances et bonne reprise à ceux qui ont repris leur boulot. Ah, il en faut, hein? Ben oui. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Likez, commentez. Regardez dans mes vidéos, j'ai une rubrique review qui est apparue il y a quelques temps. Ce sont des créateurs qui mettent en œuvre tout pour vous satisfaire. Alors n'hésitez pas à les regarder, liker. Et à bientôt, bien avec Brigitte. Bien sûr. Allez, ciao les amis. Allez, bye ciao, bye. À vous.